Et yo tout le monde, ici Karyang61, j'espère que vous allez bien, et nous voici dans une nouvelle vidéo, détente, c'est une vidéo détente on va dire, parce qu'en fait c'est un jeu qui est gratuit sur Xbox One, c'est le jeu Killer Instinct, ou Killer Instinct comme vous voulez, donc actuellement c'est la saison 2, et Microsoft, la console Xbox One nous offre la saison 1, c'est à dire qu'il nous offre les personnages de la saison 1. Donc nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme personnage de la saison 1, et on va se battre contre les personnages de la saison 2. Allez, c'est parti, let's go. Ok, donc nous sommes dans le menu des personnages. Donc comme vous pouvez voir, il y a tous les personnages de la saison 1. Jago, Cyberwolf, Glacius, Orkshow, Fulgor et les autres, hein, Sadia, Thunder et Spinal. Et voici les autres personnages, Tiji Combat, Omen, tout ça. Donc voilà. Donc nous allons choisir un personnage. Le personnage que je vais choisir, ça sera, on va dire, Jago. Hein. Pour moi, c'est Jago, voilà. Donc nous avons la possibilité d'avoir les anciennes tenues, c'est-à-dire les tenues rétro. Je pense que je vais prendre une tenue rétro. On va le prendre en rouge, en noir. Et voilà. Donc là, nous allons nous battre contre un personnage de la saison 2. C'est parti. Alors, hop. Hop. Ça c'est fait. Combo breaker, bam. Ça c'est fait. Boom, voilà. Donc ça c'est fait. Et comme je vous l'ai dit, enfin je vous l'ai pas dit, mais c'est un mode survie ce que je suis en train de faire. Donc ça va au bout d'un moment, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Les premiers sont simples, mais après vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, donc voilà, maintenant on se tape Thunder.
ça va commencer. Les premiers sont très simples, hein. Après, je commence à avoir du mal, personnellement. Quand je vous dis que ça commence à être un peu plus compliqué, même le deuxième est compliqué. Boum. Bim. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu super chaud quand même. Sur la fin, j'ai eu chaud parce qu'il me restait vraiment pas du tout de vie. J'ai eu chaud. Donc le prochain sera Cinder. Cinder, je sais plus s'il fait partie de la saison 1 ou 2. Je crois plutôt qu'il fait partie de la saison 2. On va voir à quoi il ressemble. On va voir à quoi il ressemble. Donc voilà. Mais ce personnage me dit rien. Il doit partir. Ouais, je pense qu'il doit faire de la partie de la saison 2. Waouh. En tout cas, elle est stylée. Je trouve assez stylé quand même comme personnage. Le feu et tout. Souvent on voit des personnages du froid. Et là c'est les flammes et tout, sympa. Bon, ça c'est fait. Ah ouais, aïe aïe. Commence à me faire mal, hein. Aïe 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 aïe. Ah là là, il m'a battu. Non, même pas. Je croyais, mais non. C'est chaud, patate. Oh, j'ai pris le feu là. Ça s'est fait. Ça va être chaud patate les deux là. Non, j'ai gagné. Ok, je croyais qu'on avait gagné chacun, mais non, c'est bon. Ok. Donc le prochain est Maya apparemment. Oui, c'est bien Maya. Ok. Et Maya est, je suis quasiment sûr, Maya est un perso de la saison 2. Voilà. Watch out, you might get cut. Ready.
misère. Ouh, ça, ça a fait mal là. Oh là là. Boum. Ça, c'est fait, hein? Ok. Ok, donc le prochain personnage est Shadow Jago. Mon opposé. C'est mon opposé contre qui je me bats. On va voir s'il est aussi fort. Boum, prends-toi ça. Bim. Alors là, je l'ai défoncé, un truc de ouf. Ah là, c'était un ultra combo, je sais plus comment ils appellent ça, mais... Oh le pauvre. Le pauvre. Le prochain est Riptor. C'est Yoshi mais en méchant. Ça c'est fait. Thank you.
Ça c'est fait. Et ça dira. Ça dira, ça dira. Yinditon Rapsu of Concha. Alors elle, c'est un personnage de la saison 1. Elle était balèze, hein, je peux vous le dire. Elle était super chiante. Et elle est toujours aussi chiante. Arrête, c'est bon. Arrête de me taper là. Oh, oh, oh. C'est bon. Ok. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Il m'a tué. Ça c'est fait. J'espère... Là, ça va être chaud cacao. Réussi. Ça aurait pu être chaud. Ça aurait pu être chaud contre elle. Sabre là, Wolf. Alors après, il y en a un autre. C'est de la saison 2, je crois. J'ai cru voir. Personnage après. Alors lui aussi est chaud, hein. J'ai joué pas mal de fois avec lui, le Sabre Wolf. Il est balèze, hein. S'il est toujours aussi balèze. Ça fait mal ça. Arrête de me bouffer le pied. Ça c'est fait. I'm afraid your path ends here.
supreme victory. Alors c'est comment le personnage chez Onra? Onra. Alors Onra, c'est un personnage de la saison 2. Personnage de la saison 2. Pour l'instant, je crois que je m'en suis tapé 3 de la saison 2. Oh, t'as pris cher, toi. Lui, il est pas spécialement difficile, hein. J'ai limite fait un perfect, quoi. Ouais, c'était limite un perfect que j'ai fait. Perfect. J'ai fait un perfect, exact. Ok, donc le prochain est Fulgor. Fulgor, ça ne me dit rien du tout. Ouais, je sais plus celui-là. Je peux plus dire si c'est il fait partie de la saison 1 ou de la saison 2. Je crois qu'il fait partie de la saison 1. Je crois. Bim. Fulgor. Aïe 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 aïe. Bim. Ah, il m'a battu. Lol. I'm afraid your path ends. Ça, c'est fait. Ok. Jago l'endurant. Donc,
Le prochain est Aria. Aria. Je ne le connais pas, je crois surtout que celui-là fait partie de la saison 2. Personnage de la saison 2. Bien stylé l'entrée, je trouve. Je les trouve quand même stylés, les persos. Personnellement, je le trouve stylé quand même. Niveau graphisme, rapidité et tout. Vraiment fun. Hein. Oh bah il a explosé. C'est fait. Ok. D'accord. Ah ouais, donc je crois qu'on est mort. Et voilà. Donc, je pense que je vais en rester là. En tout cas, les personnages, franchement, de la saison 2 sont plutôt vraiment sympas, plutôt jolis. Toujours aussi fun ce petit jeu. Et donc, comme je vous ai dit, le jeu est gratuit et il vous offre les personnages de la saison 1 gratuitement. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, donc parce qu'on avait la possibilité de, en fait, quand ils changeaient de personnage, après on les avait plus en fait les personnages. Donc c'est vraiment cool de pouvoir y rejouer au perso. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss tout le monde. Si tu as aimé ma vidéo, un petit pouce vert et au pire, abonne-toi. Allez, tchuss, à la prochaine.